Alors, eh bien c'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc vous êtes venu pour entendre les recettes magiques de la réussite en PACES. Vous n'avez pas consulté tous les grimoires qui sont à votre disposition. Il y en a plein, des quantités absolument incroyables, avec plein de recettes à l'intérieur. Ah non, mais c'est vrai, ça c'est plutôt pour les vieux qui sont dans la salle, vos parents. Vous, vous êtes plutôt la génération Y, celle qui préfère consulter plutôt les sites web. Mais il y en a plein aussi, d'accord? Avec des gens dont c'est le métier, comme par exemple, vous voyez là, l'étudiant, Studirama, d'accord? Des gens dont c'est pas le métier non plus, hein, vous donneront des conseils. On est bien d'accord, parce que le Figaro, on ne voit pas très bien pourquoi ils ont des conseils à vous donner, mais ils en ont quand même, d'accord? Ah, il y en a même qui se sont fait un métier de vous donner des conseils. Eux, par exemple, réussirmapacesse.fr. Alors ça, si c'est pas un titre qui vend, il y a quelque chose là quand même. Hein. Bon, en fait, ils veulent vous vendre le bouquin aussi, hein, donc bon, on tourne en rond. Après, il y a les professionnels du passage de concours. Raphaël, il l'a réussi, donc forcément, il a des bons conseils à vous donner. Bon, allez, j'arrête d'être méchant, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a des tas de choses qui sont intéressantes, en fait, qu'on peut trouver là-dedans. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a à boire et à manger, on est bien d'accord. Mais vous allez, par exemple, à propos de boire et de manger, trouver, par exemple, que pour réussir votre concours, il faut être en forme. Ah, donc, il faut manger, dormir, boire de l'eau, exclusivement. D'accord? Vous allez aussi trouver des conseils du style « Attention, hein, PACES, c'est dur, hein. Faut être motivé, hein, faut s'accrocher. » D'accord? Ou des choses comme, je sais pas moi, par exemple, « Attention, PACES, c'est pas comme au lycée. » Il n'y a personne pour vous botter le train, pour vous forcer à bosser, là. Il n'y a personne qui vous oblige à venir en cours. Bon, en même temps, ça, c'est vrai pour toutes les facs, hein, donc pas non plus une nouveauté. Okay? Ou des choses peut-être à peine un peu plus intéressantes. Comme par exemple, le concours de PACES. Ça n'a rien à voir avec le bac. Parce que peut-être qu'au bac, en terminale, les années précédentes, vous avez pu vous contenter du minimum d'efforts nécessaires pour que ça passe en mode YOLO. D'accord? Là, ce n'est pas possible. Il faut être meilleur. Meilleur que les autres, mais meilleur que vous-même aussi. Meilleur que vous ne l'avez jamais été. Parce que sinon, ça ne passera pas. D'accord? Et le mot-clé, celui qu'on retrouve quasiment dans tous ces conseils-là, en tout cas, ceux qu'on va pouvoir mettre plus ou moins ensemble, vous allez le constater, on peut quasiment tous les rassembler, tous ceux qui ont une certaine valeur, en tout cas, sous un seul terme, la motivation. Une motivation qui va devoir vous faire tenir pendant un an, peut-être deux, à fond, pour les cours, les TD, le travail personnel, le travail en groupe, les extras éventuellement, si vous avez pris des formations complémentaires, d'accord? Parce que si vous vous arrêtez de courir, les autres y continuent. Et redémarrer, c'est toujours extrêmement difficile. C'est pour ça que ceux qui décrochent en cours d'année, en se disant « bon, ben, c'est pas pour cette année, ce sera pour l'an prochain », ont déjà quasiment raté leur redoublement, d'accord? Et pour rester motivé aussi longtemps, il ne suffit pas de se dire en boucle « ben, je suis motivé, ça ne marche pas ». La méthode Coué n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Ce qu'il vous faut pour rester motivé aussi longtemps, c'est un vrai objectif. Un objectif clair, net, tenable, bien entendu. En fait, il faut que vous répondiez à une question. Maintenant que j'ai votre attention, pourquoi? Pourquoi vous voulez vous inscrire en PACES? Ben, pour passer le concours, bien entendu. Pour le passer ou pour le réussir? Pour le réussir. Pourquoi vous voulez le réussir? Pour rentrer en deuxième année? Pourquoi vous voulez rentrer en deuxième année? Pour obtenir le diplôme. Pourquoi vous voulez obtenir le diplôme? Pour exercer le métier qui se trouve au bout. Les études de santé ont ceci de particulier que ce sont des études professionnalisantes dès la première année. Vous rentrez dans une filière professionnalisante pour exercer un métier dès la première année. Et cette filière, ce métier qui se trouve au bout, vous devez l'assumer dès le début. D'accord? Et si vous devez l'assumer, vous devez savoir pourquoi vous devez le faire. Et si vous savez pourquoi, alors là, vous allez pouvoir effectivement accepter les sacrifices qu'il va falloir faire, accepter le travail, continuer le travail de tous les jours, quotidien, les sacrifices sur les vacances, sur les congés, c'est la même chose, sur les week-ends, sur la vie sociale, la vie familiale, la vie affective éventuellement, d'accord? Mais aussi les sacrifices financiers, les vôtres, ceux de vos proches. Parce que vous les accepterez, parce que vous savez pourquoi vous êtes en train de le faire. Et ça vous permettra de savoir pourquoi vous pouvez, pourquoi vous devez faire encore un peu plus. Un peu plus que les autres qui en veulent peut-être à peine un peu moins que vous. Parce que vous, vous savez pourquoi vous le faites. Et ça vous permettra de tenir, de savoir pourquoi vous pouvez supporter une seule période de vacances dans l'année. 15 petits jours pour Noël, indispensables entre les deux sessions,
pour pouvoir démarrer le deuxième marathon qui vous attend ensuite? Pourquoi il ne faudra pas lâcher, rien lâcher du tout pendant le deuxième semestre? Parce que si à un moment ou à un autre, vous vous dites « mais ça ne peut pas demander autant d'efforts, ce n'est pas possible que ça demande autant d'efforts. Ce n'est pas possible que je m'investisse autant. Non, ce sera pour l'an prochain. Allez, je me repose un peu et je réussirai l'année prochaine. » Ou alors, allez, à la limite, n'importe quel concours, ça le fera de toute façon. Là, votre année, elle est déjà quasiment ratée. D'accord ? Et vous n'aurez pas le concours que vous rêvez d'avoir. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais il faut que je me reprenne de temps en temps. C'est pas seulement ça. Ce qui est important pour vous, c'est aussi de bien réaliser que réussir pas cesse... Excusez-moi, je suis un petit peu... Je suis perdu, là, je me suis perdu dans mes phrases. Il faut que vous sachiez pourquoi vous voulez réussir. Tu veux être médecin? Tu veux être pharmacienne? Tu veux être, je ne sais pas moi, dentiste? Mais pourquoi vous voulez l'être? Vous avez bien réalisé qu'il faut absolument assumer le travail, que ça va être derrière. Si vous en êtes persuadé, alors vous pourrez supporter ce genre de choses-là. Mais si vous doutez, vous ne pourrez jamais le supporter. D'accord? Et attention, mettons, tu veux être médecin, d'accord? Tu y as réfléchi. Tu sais bien que ce n'est pas comme dans Grey's Anatomy, d'accord? Ça ne va pas être aussi glamour que ça, que 95% des clients qui vont venir te voir, ça va être pour une bête gastro ou un truc dans le genre. Ah ouais, c'est beaucoup moins, flambard que d'opérer des cœurs. Mais quand on opère des cœurs, des fois, les patients, ils y restent aussi. Il faut l'assumer, ça. D'accord? Alors, tu y as bien réfléchi, c'est effectivement ce que tu veux faire. Mais pour les autres concours, oui, parce que tu ne vas pas candidater qu'à médecine. Trois quarts des étudiants qui sont déprimants candidatent effectivement uniquement à un ou à deux concours. Mais majoritairement, les doublants, eux, candidatent à plusieurs concours. D'accord ? Ça fait donc beaucoup de gens qui candidatent à plusieurs concours. Et ce deuxième concours, lui aussi, il faut l'assumer. Il y a des choses qui sont pires que de rater un concours. Ça peut être de réussir celui qu'on ne voulait pas avoir. La quasi-totalité des étudiants qui, après la première année, abandonnent, la quasi-totalité, sont des étudiants qui ont pris un concours qu'ils ne voulaient pas. Et moi, quand je vois ce deuxième tableau, qui ressemble beaucoup au premier, ça m'inquiète. Quand je vois que dans certaines filières, il y a entre un tiers et la moitié des étudiants qui ont pris un peu tout et n'importe quoi, jusqu'à 7 concours différents, j'y crois pas. C'est pas possible. Pour pouvoir réussir, il faut vraiment que vous sachiez pourquoi vous voulez faire tous ces efforts. D'accord ? La réussite de vos concours dépend bien moins de vos capacités, de vos facultés intellectuelles, qu'elles soient réelles ou juste rêvées, que de votre capacité à mobiliser ces facultés, à les mobiliser autour d'un objectif unique, réussir ce concours pour pouvoir exercer le métier que vous voulez exercer. Restez dans la course, d'accord ? Et en parlant de course, vous la connaissez cette histoire, vous savez comment elle termine, d'accord ? Eh bien, dans les concours longs comme PACES, être un lièvre, ce n'est pas bon non plus. Un lièvre, c'est quelqu'un qui comprend et qui apprend très très vite, d'accord ? Et qui a l'habitude de la facilité, les mauvaises habitudes de la facilité. Et donc, qui dans un concours comme ça, ne va pas être incité à travailler. Les étudiants relativement brillants ont souvent beaucoup de difficultés dans les concours comme ça. Mais attention, hein, faut pas non plus être la tortue, d'accord ? Parce que c'est laborieux une tortue. Ça va droit au but, ça ne peut pas se permettre de perdre du temps. Parce que c'est lent une tortue. Et dans la course que vous allez avoir à faire, vous n'êtes pas que deux, il y a tous les autres. Et pour rester dans la course, il va falloir que vous soyez peut-être pas les plus rapides des lièvres, mais en tout cas au moins aussi laborieux que la tortue, d'accord ? Avec un objectif clair qui va vous permettre de maintenir votre motivation, de rester dans la course. Et de mettre tous vos moyens dans ce concours. Et tous vos moyens, ça commence par utiliser les moyens que nous mettons à votre disposition, à savoir les cours. Et on est bien d'accord, hein, quand je parle de cours, je ne parle pas des trucs photocopiés, pris, on ne sait pas très bien, par un étudiant et redistribués à 10, 100 exemplaires, et qu'on appelle la Ronéo, d'accord ? Je parle bien d'être présent physiquement en cours et en TD pour prendre et
comprendre ces cours. Vous regarderez l'étymologie du terme « comprendre » pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, justement. D'accord ? Parce que, figurez-vous, qu'un certain nombre d'enseignants font des cours avec l'objectif plus ou moins avoué de vous apprendre des trucs. C'est un rêve un peu fou, on est bien d'accord, hein ? Surtout qu'il y a un nombre certain d'étudiants qui, eux, considèrent qu'assister à ces cours ne sert strictement à rien. Est-ce qu'assister au cours peut avoir un quelconque impact sur la réussite à un concours ? Question bizarre, hein ? Ben oui, je suis à peu près certain, enfin non, c'est pas à peu près certain, j'en suis certain. Je suis sûr qu'au moins une fois, vous avez eu à reprendre des cours sur un copain ou une copine parce que vous avez été absent pour ceci ou cela, on s'en fiche, d'accord ? Qui va oser prétendre, là, maintenant, en me regardant droit dans les yeux, ou plutôt votre voisin parce qu'il est plus près, que ça avait été aussi facile à comprendre et à apprendre que quand vous aviez été présent et que vous aviez vous-même pris les cours. Qui va prétendre ça? Eh bien, vous. Vous tous, ou presque, dans quelques mois. Ça va commencer aux alentours de la mi-novembre, à peu près. Vous allez commencer à dire « Non, mais là, j'ai déjà trop de retard dans mes révisions. Je ne peux plus aller en cours, ça prend trop de temps avec le bus, le tram, on perd du temps. Et puis, de toute façon, je les cours, je les ai avec la Roneo. Et puis, c'est les mêmes cours que l'an dernier, de toute façon. » Alors, ah, heureux l'étudiant qui, tel un fleuve, peut suivre son cours du fond de son lit. Eh bien, restez-y dans votre lit si effectivement c'est l'état d'esprit qui vous habite. D'accord ? Ça fera plus de place en amphi, et ça fera aussi des TD qui seront beaucoup plus intéressants pour les enseignants, avec uniquement des étudiants qui veulent comprendre. Hein ? Oh non, mais évidemment, c'est juste de l'ironie, là. Jamais je dirais ça, un truc comme ça, en tout cas pas en voix haute, évidemment. En plus des cours, et c'est pas nous qui les organisons, mais en partie, parce que globalement, le TD, c'est du travail de groupe. Le travail de groupe est quelque chose de fondamental pour vous. Alors évidemment, vous allez entendre un tas d'abrutis qui vont vous dire que le concours, c'est vous contre tous les autres. Que si vous aidez quelqu'un, vous êtes en train de vous pénaliser. Si vous posez une question, vous êtes en train d'avantager les autres parce qu'eux aussi vont entendre la réponse à votre question. Que si vous posez la question au prof, il va le dire à tout le monde, la réponse. C'est pas bien. Ou alors, il faut la poser au prof de prépa. Parce que lui, au moins, il est payé pour vous aider, vous, et pas les autres. C'est complètement crétin comme raisonnement. Crétin, d'accord ? Et crétin dans le sens médical du terme, hein, celui du 19e siècle, qui qualifie une maladie mentale, d'accord ? Parce que personne ne comprend tout seul. Travailler tout seul, d'accord ? C'est s'enferrer dans ses erreurs et dans ses incompréhensions. Alors que quand vous travaillez en groupe, que ce soit avec le prof, que ce soit en TD, d'accord ? Ça permet un échange, ça permet forcément une meilleure compréhension. Oui, mais celui qui pose une question et si l'autre lui répond, celui qui a répondu, il a perdu un avantage parce que l'autre, il a compris, il l'a rattrapé. Mais non ! Celui qui a répondu, pour pouvoir répondre, il a été obligé de passer un cap lui-même de compréhension. Expliquer aux autres, c'est extrêmement compliqué. C'est la célèbre phrase que vous avez déjà tous entendue, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». C'est très compliqué d'expliquer des choses. Et ça demande de comprendre encore mieux. D'accord ? Alors, il faut faire des groupes de niveau. Comme ça, entre nous, on s'aidera encore plus. Mais non, surtout pas des groupes de niveau. Quand on est tous du même niveau, on n'a rien à apprendre aux autres et on n'a rien à apprendre des autres. D'accord ? Il faut impérativement qu'il y ait de l'échange, que vous ayez des choses à comprendre et que vous puissiez faire comprendre des choses aux autres. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne peut pas améliorer la réussite du groupe. C'est impossible. D'accord ? Et puisque je suis en train de parler de réussite, il est important maintenant justement d'en parler, de la réussite. Parce que c'est l'argument canon, le truc qu'on balance à toutes les sauces, d'accord ? Que ce soit aussi bien pour descendre les études de santé que pour vanter les mérites incommensurables des formations parallèles. D'accord ? Alors, ce taux de réussite, combien ? 15, 20, 30% ? Ben, au niveau national, il paraît que c'est 20%. Il paraît, hein, parce qu'avec les chiffres qu'on envoie au ministère, c'est impossible qu'ils puissent le calculer. Impossible, d'accord ? Et puis, de toute façon, les résultats au niveau national, on s'en fout. Ici, on est à Besançon, en Franche-Comté. D'accord ? C'est nos chiffres qui vous intéressent. C'est ici que vous voulez vous inscrire. Et nos chiffres, nous, on les connaît. D'accord ? Vous aussi, d'ailleurs, en fait, vous pouvez les connaître, hein, parce qu'ils sont publics. Cette année, en première année, il y a 1200 étudiants. Si vous cumulez le nombre de places qu'il y a dans chacun des concours, ça fait 398. 400. Bon, ben, c'est pas compliqué, hein. 400 par 1200, ça fait un tiers, une chance sur trois d'avoir le concours. Ah, c'est déjà plus que les 20%. Sauf que, non,
C'est complètement idiot de calculer ça de cette manière. D'accord ? Si vous calculez effectivement le taux de réussite de cette manière, j'ai plus, voilà. Vous finirez peut-être journaliste dans un des journaux dont j'ai parlé tout au début, ou conseiller au ministère de l'Éducation nationale dans le pire des cas. Mais certainement pas en faisant des études en sciences de santé, ou des études de sciences tout court d'ailleurs. Un taux de réussite, un taux de conversion, ou un taux d'échec d'ailleurs, ou un taux d'élimination, d'accord, quand c'est un médicament par exemple, ça se calcule toujours, toujours par le ratio du flux de sortie sur le flux d'entrée. Et à Besançon, le flux d'entrée, c'est-à-dire le nombre de nouveaux étudiants qui rentrent dans le système, c'est 716 cette année. Et c'est très constant au cours des 6-7 années qui sont passées. Donc on reste à peu près sur les mêmes flux, ce qui permet de faire des calculs d'année en année. D'accord ? Ceux qui sont dans le système, les doublants, sont dans le système. Il n'y a que deux voies de sortie du système, soit par une réussite au concours, soit éventuellement parce qu'ils n'ont pas eu le concours. Mais le taux de réussite ne peut se calculer que sur le flux sortant, réussite ou ratée, sur le flux entrant. Ce qui fait donc, si vous regardez bien, 398 sur les 716, 55 et quelques pourcents. 55%, c'est ça le taux de réussite. Une chance sur deux. Non, pas une chance sur deux. Une chance sur deux, c'est de la probabilité. Ça, ce sont des statistiques, ça n'a rien à voir. D'accord ? Oui, effectivement, la moitié des étudiants qui sont actuellement inscrits en PACES l'an prochain seront en deuxième année. Ça, c'est indiscutable. Indiscutable. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que vous avez une chance sur deux. Il y a plein de raisons à ça. Mais la plus facile à comprendre, elle est tout simplement que, comme je l'ai déjà montré, tous les étudiants ne choisissent pas tous les concours et ne choisissent pas les mêmes concours. D'accord ? Donc, ce n'est pas possible de le faire étudiant par étudiant, faire des probabilités étudiant par étudiant. D'accord ? Alors, on peut essayer de le regarder concours par concours, mais ce que vous devez déjà bien voir sur celui-ci, c'est qu'effectivement, donc, la majorité des primants choisissent peu de concours, un ou deux concours, sachant que pour les deux concours, il y a une grosse majorité d'étudiants qui vont candidater en APEMR et qui sont obligés de choisir deux concours, d'accord ? Et que ce sont surtout, très majoritairement, les doublants qui font des candidatures multiples. Il y a donc un changement de comportement entre la première année et la deuxième première année, d'accord ? Comment ça rentre dans le système, ceci ? Eh bien, cette année, au concours de médecine, on va commencer par celui-là, il y a 871 inscrits. Pour 186 places, effectivement, au concours. Alors, vous avez bien compris, hein, on ne fait pas l'un sur l'autre. Hein, d'accord ? Le nombre de primo-entrants, et de primants qui s'inscrivent à ce concours, c'est 541. On est bien d'accord, ceux qui tournent dans la boucle, on ne les compte pas. Donc, a priori, on pourrait être tenté de faire le ratio entre les deux. Ça fait un tiers. Vous êtes d'accord ? Une chance sur trois. Non, pas une chance sur trois. Mais pas parce qu'on ne peut pas le faire ici. Parce que si on fait ça, on est complètement en dehors des clous. C'est un concours parmi les autres. Et si vous vous rappelez le petit tableau que j'ai laissé ici sur le comportement des doublants, les doublants s'inscrivent à plusieurs concours alors que les primants ne l'avaient pas fait. Ça veut donc dire qu'il va y avoir un certain nombre de gens qui ne s'étaient pas inscrits en première année au concours de médecine qui vont effectivement s'y inscrire quand ils redoublent. Et ces candidats-là, c'est la première fois qu'ils le tentent, le concours de médecine. Donc, eux, il faut les rajouter aux primants. D'accord ? Mais il n'y a pas que ça. Cette année, et pour la première fois, les étudiants qui veulent poursuivre des études de masso-kinésithérapie, ergothérapeute et consort, métier de la rééducation d'une manière générale, sont dans le même concours que les autres étudiants. Et ces étudiants-là, qui sont majoritairement, eux, des primants, d'accord ? Leur seul objectif, c'est pas de passer médecine, c'est juste d'être en médecine pour pouvoir ressortir du système immédiatement derrière. C'est pas des vrais candidats à médecine, d'accord ? Leur objectif, c'est de ressortir du système, pas du concours de médecine. Enfin, s'ils se comportent comme l'an dernier, d'accord ? Alors, s'ils se comportaient comme l'an dernier, c'est-à-dire que leur objectif, c'est un des métiers de la rééducation et pas autre chose, c'est facile, on les retire. Ils sont à peu près 200 quand on fait le cumul entre les doublants qui se sont réinscrits à peu près et puis ceux qui devraient ressortir, ça fait à peu près 200 personnes. Vous retirez 200 personnes dans le calcul qui est ici, ça va vous faire à peu près un ratio de 50%. D'accord ? Une place
pour deux étudiants qui s'inscrivent au concours de médecine. Oui, mais on n'est pas sûr que ces étudiants qui veulent s'inscrire au métier de la rééducation vont effectivement ne viser que les métiers de la rééducation. Que s'ils ont médecine, ils ne vont pas plutôt prendre médecine plutôt que les métiers de la rééducation. Pour la première fois à Besançon, ils vont pouvoir tenter les deux. Et puis les étudiants qui sont en médecine et qui veulent faire médecine, et qui éventuellement n'ont pas médecine, qu'est-ce qu'ils vont faire par rapport au métier de la rééducation? Est-ce qu'ils vont s'y inscrire ou pas? Est-ce qu'ils sont motivés pour faire ça? On n'en sait rien cette année. Cette année, on ne peut pas le savoir. Oh, l'an prochain, avec un peu de recul, effectivement, on pourra savoir. Mais cette année, c'est impossible de le savoir. Pour dire la vérité, cette année, c'est même compliqué de calculer le taux d'échec dans chacun des concours. D'accord? Parce que justement, on n'a pas de recul. Pour la première année, on n'a pas de recul. Les années précédentes, on pouvait le faire. D'accord? Attendez, j'y reviens. Les années précédentes, on pouvait le faire parce qu'on avait des années de recul et on savait à peu près en moyenne, ça c'est des probabilités, quel était le comportement des étudiants. Cette année, on ne peut pas le faire parce que la situation a changé. D'accord? Et pour les autres concours, est-ce que c'est la même chose? Ben, à la limite, pour les autres concours, c'est presque encore pire. C'est presque pire, pour les calculs, j'entends, hein, pour une raison très simple, c'est que ces autres concours sont majoritairement vus comme des bouées de sauvetage, c'est regrettable, c'est les échecs qui viennent par la suite, d'accord, par les étudiants qui ont raté médecine à leur première tentative. Ce qui veut dire que ça fait des flux d'étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans ces concours-là, et c'est bien leur première fois, donc ils doivent être comptés dans le taux de réussite, d'accord, qui sont bah, cette année absolument imprévisibles, parce que justement, c'est la première année où tous les étudiants, y compris métiers de la rééducation, sont tous rassemblés. D'accord? Donc cette année, c'est compliqué à calculer, c'est compliqué à faire. Je pourrais vous montrer, hein, je peux vous les montrer, les résultats qu'on avait les années précédentes. Mais quelle est la validité de ces résultats-là, alors qu'on a quand même un flux de 250 étudiants dont on ne sait absolument pas quel va être le comportement. D'accord? C'est pas une pierre qui leur est tirée dessus, hein, on est bien d'accord? C'est juste que cette année, on ne sait pas. Voilà, juste on ne sait pas. Ils sont libres, comme tous les autres précédemment, de prendre tous les concours qui sont à leur disposition. Et leur comportement, pour l'instant, n'est pas prévisible. D'accord? Par contre, il y a une chose qui est très claire et sur laquelle personne ne pourra revenir. C'est le premier chiffre que je vous ai donné. Un étudiant sur deux qui s'inscrit pour la première fois en PACES aura une place en deuxième année. Ça, c'est indiscutable. D'accord? Absolument indiscutable. Et il y a quelque chose d'important, supplémentaire à rajouter à ça. C'est que le taux d'échec ensuite, dans les années supérieures, dans les études de santé, est extrêmement faible. D'accord? Il est de l'ordre, jusqu'au diplôme final, de à peine une quinzaine de pourcents. Ça veut donc dire que pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois dans les études de santé, la moitié d'entre eux, pratiquement, auront au final un diplôme dans des études de santé. Pour des études qui font un énorme gâchis, comme on n'arrête pas de l'entendre partout, 50% d'étudiants à Bac plus 4, Bac plus 6, Bac plus 8, Bac plus 8, Bac plus 12, c'est quand même pas mal. D'accord? Vous irez regarder par vous-même, plutôt que de croire ce qu'on vous raconte, quels sont les taux de réussite à plus 1, plus 2, plus 3, etc. D'accord? Directement sur Internet. Les études de santé ont un taux de réussite au final, pour des études professionnalisantes, qui est absolument exceptionnelle et très supérieure à toutes les autres études universitaires. Ne vous laissez pas bourrer le mou avec des chiffres qui n'ont aucune valeur. D'accord? Parlant de statistiques, alors ne voyez aucune relation de cause à effet entre ce que je suis en train de dire là et puis ce qui arrive là sur le moment, hein, c'est purement fortuit, bien entendu. Il y a quand même des gens pour lesquels ces taux de réussite sont particulièrement importants, puisque quasiment toute la communication est faite là-dessus. D'accord? Et si on vous sort des chiffres qui sont différents de ceux que je viens de vous présenter, vous avez deux questions à vous poser. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne sait absolument pas comment ça se calcule et qui me présente des chiffres comme ça, là va comme je te pousse? Et dans ce cas, peut-être que vous devriez vous inquiéter de savoir quelles sont exactement ses compétences. Ou alors c'est quelqu'un qui sait parfaitement que les chiffres qu'il vous présente sont complètement faux, mais qui a une bonne raison pour laquelle il vous les présente sous cette forme-là. D'accord? Moi, je ne lui ferai aucune confiance du tout, quel que soit le sujet. Mais vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous savez ce que c'est que le paradoxe de Simpson? Non. Celui-là. Un statisticien anglais du siècle passé.
qui a fait une partie de sa carrière sur l'étude statistique qui existe entre une cause et ses conséquences, dans un cas bien particulier, quand en plus il y a un phénomène qu'éventuellement on ne prend pas en compte, volontairement ou involontairement, mais qui influence à la fois la cause et la conséquence. Non, vous n'en avez jamais entendu parler. Vous en bouffez à longueur de journée, mais c'est certain que vous n'en avez jamais entendu parler. Et puis, comme on est à l'université, je vais vous expliquer ce que c'est. Et puis, comme on est en sciences de santé, on va prendre un exemple médical. Vous n'avez pas de chance, on vient de vous trouver des calculs rénaux. Des calculs rénaux importants, hein, suffisamment importants pour que vous soyez à l'hôpital et qu'on doive impérativement vous opérer. Le chirurgien arrive et puis vous commencez à discuter et vous dit, bon, pour vous, on a deux techniques qui sont à disposition, vous allez éventuellement pouvoir faire le choix. Choix de la chirurgie ouverte, la grosse cicatrice, l'anesthésie générale, plusieurs jours d'hospitalisation et puis une réadaptation qui risque d'être un peu douloureuse et un petit peu longue. La gueule. Ou alors, par sylloscopie. Un petit trou, on passe tous les instruments à l'intérieur, trois points, ça ne se voit absolument pas. Le lendemain, vous êtes sorti, une anesthésie minimale. Bon, ben là, d'un seul coup, hein, le sourire est revenu. Mais enfin, bon, comme ce qui vous intéresse le plus, c'est quand même d'être sûr de guérir, vous dites, oui, mais enfin, il y a quand même un piège, là. Ah non, 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 je viens de lire une revue, une publication, je vais vous la chercher. Puis il va la chercher, hein. Il vous ravit avec un article publié dans une bonne revue médicale, avec, regardez les chiffres, hein, c'est très clair, en plus d'être beaucoup moins pénalisante physiquement, les taux de réussite sont supérieurs. Alors, pas beaucoup, 5%, mais vu les avantages qu'il y a au niveau physique, c'est bon, l'affaire est pliée, vous savez comment vous allez passer sur le billard. Et puis, sur ces entrefaits, il y a un de ses collègues qui arrive, puis qui entend la conversation, puis qui se mêle à la discussion. Puis qui lui dit, bah, t'es sûr? Parce que moi, je viens d'en lire aussi une publication, c'était aussi dans un journal anglais, sur 350 patients, mais bon, il faisait la distinction entre des gros ou des petits calculs. Il a des gros ou des petits calculs, ton client, là? Enfin, encore, de toute façon, ça ne changeait rien. Parce que de toute façon, que ce soit des gros ou des petits calculs, c'est toujours la chirurgie ouverte qui était meilleure dans tous les cas. Oh, oula, il faut discuter un peu. Hein. Ils sont où, tes résultats? Et lui aussi va chercher sa publication avec les résultats dedans. Et figurez-vous que c'est la même. La même. Les deux tirent leurs chiffres de la même publication. Quand on fait le tableau global avec tous ces résultats, vous pouvez voir que ce sont exactement les mêmes chiffres qui sont utilisés. Il n'y a aucun trucage. Aucun trucage. Ce sont bien les mêmes chiffres. Alors, vous avez déjà entendu dire hein, qu'avec les stats, on pouvait faire dire absolument ce qu'on voulait aux chiffres, mais ce n'est pas le cas ici. Ici, c'est l'illustration parfaite et typique d'un cas de paradoxe de Simpson, où la conclusion est en inadéquation complète, est une aberration par rapport aux chiffres si on y fait un petit peu attention. Si vous regardez un tout petit peu le premier tableau, il illustre la relation qu'il y a effectivement entre le type de traitement qui va être choisi et le type de réussite qu'on va avoir. Effectivement, ça a de l'influence, ce n'est pas les mêmes chiffres, d'accord ? Pas le même taux de réussite. Mais le deuxième tableau, lui, ce qu'il montre, si on le regarde déjà en ligne, c'est qu'il y a une relation très forte entre la taille des calculs qui vont être opérés et le taux de réussite. 20% de différence quand même, hein. Ce n'est pas négligeable, c'est vraiment un taux de réussite qui est très important et très, 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 très influencé par la taille de ces calculs. Mais ce que montre ce deuxième tableau, et ça c'est plus important, et c'est de là que vient l'aberration, c'est que cette taille des calculs influence aussi très fortement le type de traitement qui va être utilisé pour soigner le calcul. On ne prend la méthode A pratiquement que quand ce sont des gros calculs. Et la méthode B, quand ce sont des petits calculs qui sont faciles à opérer. Ce qui veut dire que les résultats de la méthode A sont complètement plombés par le faible taux de réussite de la méthode A, qui pourtant est meilleure que celle de la méthode B, mais qu'on n'utilise pas dans ces cas-là. D'accord ? Ça, c'est l'illustration parfaite du paradoxe de Simpson. Vous ne voyez toujours pas où je veux en venir, mais quand je vous ai dit que ça, vous en bouffiez à longueur de journée, c'est exactement le cas en ce moment, dans l'année dans laquelle vous vous trouvez. Combien de fois on vous a dit que redoubler ne servait strictement à rien, ça n'améliore pas les résultats l'année suivante ou au bac. D'accord ? C'est un grand leitmotiv maintenant. Ça ne sert à rien, les statistiques le prouvent. Les statistiques, hein, qui bien entendu, et toutes les gens qui vont vous l'affirmer, reconnaissent bien entendu que le niveau intrinsèque de l'étudiant,
Éventuellement, son milieu social, familial, peut influencer, mais son niveau intrinsèque a beaucoup d'importance sur, effectivement, sa réussite à l'examen. En négligeant complètement et volontairement, dans ce cas-ci, qu'on ne fait redoubler que les étudiants qui sont, que les lycéens qui sont en difficulté. Que les étudiants qui sont en difficulté. Pas les autres. On ne fait jamais redoubler les bons étudiants pour voir si, effectivement, statistiquement, ils ne réussiraient pas un peu mieux. Bon, en même temps, on comprend bien que ce serait un peu compliqué d'expliquer à des parents qu'on va faire redoubler son gosse qui a 18 de moyenne juste pour voir si, effectivement, les statistiques montreraient que. On peut bien le comprendre. Ça ne pose aucun problème qu'effectivement, on ne fasse pas. Le problème, c'est d'affirmer des choses alors qu'on sait pertinemment qu'elles sont fausses, que les résultats sont aberrants, de fait aberrants. Et bien maintenant, changeons un tout petit peu les intitulés. D'accord ? On met ça à la place. Et puis vous discutez un tout petit peu. Et puis, en discutant, ah oui, évidemment, la motivation, l'investissement dans le travail, c'est un facteur majeur de réussite. J'ai dit ça au début, moi aussi. D'accord ? Et on va vous le confirmer. Hein. Et puis, bien entendu, hein, si vous voulez que la prépa, la boîte à concours fonctionne, il faudra vous y investir aussi énormément, hein, parce que sinon, eux-mêmes la construisent. D'accord ? La situation du paradoxe de Simpson. J'ai même pas besoin de la construire, moi. Elle est évidente. Elle sera même dans leur discours. OK ? Et prenez en compte, en plus, un facteur qui est encore plus important. C'est que ces boîtes-là, elles sont payantes. Et que quand c'est payant, ça a tendance à renforcer considérablement l'investissement qu'on va y prêter. D'accord ? Vous savez, les petites phrases du style « vu ce que ça coûte, ça a intérêt d'être efficace. Hein. » OK ? Évidemment, ça va le renforcer. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux tout simplement dire que toutes les statistiques qu'on pourra vous présenter sur une amélioration considérable de la réussite au concours, parce que l'enseignement dans une de ces composantes-là, est particulièrement excellent, est forcément basé sur des statistiques qui sont intrinsèquement fausses et aberrantes, qui ne peuvent pas être correctes. Elles ne pourraient être correctes qu'à une seule situation, mais je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord de la tenter, que certains de vos parents acceptent de payer la boîte à concours d'un autre étudiant, d'accord, et que vous, ben, vous y alliez sans aller. Alors, qui est candidat pour ça ? Moi, je veux bien faire les stats, hein. Mais non, évidemment qu'on ne peut pas faire ça, mais ça n'autorise pas à raconter n'importe quoi pour autant, d'accord ? Alors, est-ce que la situation, elle est la même avec la boucle de renforcement ? Est-ce que la situation, elle serait la même éventuellement avec le tutorat ? Pas vraiment, parce qu'avec le tutorat... Oui. Ah ben, il faut vous réveiller un peu, hein, de temps en temps. Mais le son est particulièrement fort. Ben, il n'y a pas cette boucle-là. Donc, il y a une bonne probabilité, il y en a d'autres, il hein, y a une bonne probabilité pour que le renforcement par la motivation dans le tutorat soit moindre. Voire même qu'il n'existe pas. Parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, ce qui ne coûte rien ne vaut rien. D'accord ? Et que si effectivement, il n'y a pas d'investissement dans ce tutorat, vous pouvez vous reboucher. Il n'y aura probablement pas cette influence-là, non plus. D'accord ? Et dans le cas du tutorat, la situation, elle est complètement différente. Elle ne peut pas être, d'ailleurs, comparée à celle des boîtes à concours. Parce que le tutorat, il est gratuit et ouvert à tous. Ne pas s'y investir, c'est en fait quasiment faire preuve d'une espèce de masochisme. Ouh, c'est plus compliqué à dire que ça dans l'air. De masochisme, d'accord ? Se priver volontairement d'un avantage dont tous les autres peuvent bénéficier. C'est comme de ne pas aller en cours, d'accord ? Tous les autres peuvent en bénéficier, et vous, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous ne vouliez pas y aller, vous vous privez de cette boucle d'action. Maintenant, la boîte à concours, on est bien d'accord, elle va induire de fait cette action, via la pression financière, essentiellement, d'accord ? Et vous ne pouvez, on ne peut rien vous rajouter de plus, en particulier l'excellence de l'enseignement qui y est délivré. D'accord ? À la limite, même pas pour les comparer entre elles, parce que les situations sont tellement différentes entre ces différentes boîtes, les tarifs qui sont différents, les heures qui ne sont pas les mêmes, les taux de réussite qu'on vous aura cités et tout ça qui seront différents, qui fait que même les comparer entre elles, c'est déjà quelque chose d'un peu problématique. Mais en tout cas, les comparer à la situation sans,
Ce n'est pas problématique, c'est très probablement malhonnête. D'accord ? Alors maintenant, est-ce que ces aides-là, quelles qu'elles soient, sont un gage de réussite ? Non. Non, absolument pas un gage de réussite. D'accord ? Est-ce que c'est une assistance ? Ah, ça, une assistance, c'est sûr. C'est forcément une assistance, puisqu'elle s'appuie toute sur un moteur majeur de réussite, la motivation et l'investissement dans le travail. Donc oui, effectivement, ce sont des aides qui peuvent être utiles. Est-ce que vous en avez besoin ? Ben, pas forcément. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Je ne sais pas quel est l'état du portefeuille de vos parents. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez besoin de coups de pied au cul pour travailler. Ça, c'est à vous de le décider, c'est à vous de le savoir. D'accord ? Je ne peux pas prendre cette décision à votre place. Et je ne peux pas vous le conseiller. Mais il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. C'est ça qui est important. OK ? Ceci étant dit, tous les conseils que vous pourrez lire, entendre, ce que j'ai pu vous donner, qui soient bons, foireux, honnêtes, très intéressés, d'accord, ne changeront strictement rien à un fait. C'est le nombre d'étudiants qui, effectivement, se retrouveront l'année suivante en deuxième année. C'est 398. D'accord. Mais il y a au moins une chose que ces conseils pourraient changer. C'est qui va faire parmi ces étudiants et qui n'y sera pas. Et ces deux points sont au moins aussi importants pour vous que pour nous. Imaginez que la gradation que vous avez là, ce soit les notes rouges, très mauvais, vert, les bons étudiants. Vous placez la limite, d'accord, là-dedans, au niveau du nombre d'étudiants. Eh bien, si les premiers étudiants collés, ceux qui ne sont pas reçus au concours, dans le jaune, là, étaient complètement à la dérive, parce qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils sont complètement démotivés, vous vous rendez bien compte que les derniers reçus sont exactement dans le même état. Et ce n'est pas très rassurant pour nous au niveau de la deuxième année. D'accord ? Alors que si, au contraire, on a beaucoup de bons étudiants avec des bons résultats, d'accord ? Nous, ça peut sembler peut-être un peu paradoxal, mais au moins comme ça, on est certain d'avoir effectivement, en deuxième année, des bons étudiants. Pas forcément des très très bons, mais au moins des bons étudiants, et pas les moins mauvais. D'accord ? Il est donc très important pour nous qu'une majorité d'entre vous soit bon. Alors évidemment, j'entends déjà dans vos têtes, pensez trop fort. Mais c'est du gâchis, tous ces bons étudiants qui ne vont pas avoir le concours. Continuez comme ça, je vais vous signer des mots de recommandation pour aller au ministère, moi. C'est du gâchis seulement si vous, vous gâchez cette première année. Réussir PACES, ce n'est pas seulement avoir le concours. Les passerelles entre facs, elles sont aussi faites pour ça. À Besançon, les autres facs vous acceptent quand vous avez au moins 8 de moyenne, directement en deuxième année. Directement en deuxième année. Ça concerne 900 étudiants sur les 1200 qu'il y a en première année. Vu qu'on en garde 400, vous avez vite fait le calcul, c'est 500 étudiants par an. Alors évidemment, une bonne partie d'entre eux vont sans doute redoubler. D'accord ? Mais vous n'aurez gâché cette année que si vous ne bénéficiez, si vous ne profitez pas de cette opportunité. D'accord ? C'est pour ça que je vous incite dès maintenant à vous renseigner aussi sur cet aspect-là. Pas par défaitisme, surtout pas. Simplement parce que si vous avez une raison de plus de penser que vous pouvez réussir votre année, y compris sans le concours, si vous faites tous les efforts qui sont nécessaires, vous ne pouvez pas perdre votre année. Vous aurez une raison de plus de vous accrocher, de ne pas décrocher pendant cette année. D'accord ? Et ça, c'est important. J'ajouterais qu'une bonne partie des enseignants que vous aurez dans les années à venir sont au moins aussi attachés à la réussite de vos études, quelle qu'elle soit, y compris en dehors des études de santé, qu'à la simple réussite du concours pour que vous poursuiviez chez nous. Il est important pour nous, et vous comprenez pourquoi, que vous soyez bon, qu'une majorité d'entre vous soit bon. D'accord ? Mais il vous appartient à vous, et à vous seul, d'être parmi les meilleurs. Et pour conclure, je vais simplement vous dire une phrase que m'a dit un ancien maître à moi, il y a déjà très très longtemps, et dans une fac très loin d'ici, que la motivation soit avec vous.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser.